Dans cet exercice, nous allons étudier le mouvement d'une balle lancée par un fusil dans l'eau d'une piscine. Alors la balle, elle entre dans l'eau en ce point, pris comme origine des espaces, à la vitesse V0, dirigée vers le bas. Alors nous allons étudier le mouvement dans un repère OZ, supposé galiléen, ça veut dire dans lequel on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Alors la balle, elle entre dans l'eau, et à l'intérieur, au cours de son mouvement dans l'eau, elle subit l'action de trois forces, parce que dans la première question, on demande de faire le bilan des forces exercées sur la balle lors de son mouvement dans l'eau. Alors, à l'intérieur de l'eau, la balle, elle est soumise à l'action de trois forces. La première, c'est son poids. La deuxième, c'est la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, elle est toujours dirigée, elle est verticale vers le haut, quel que soit le cas, quel que soit le mouvement. Et il y a aussi la force de frottement exercée par l'eau sur la balle. Et cette force de frottement, elle doit être dirigée, opposée, de telle façon qu'elle soit opposée au sens du mouvement. Alors ici, le mouvement se fait vers le bas, donc la force de frottement, elle est dirigée vers le haut. Autre point, c'est que ces trois forces, dans ces trois forces, vous avez le poids, c'est une force à distance. Les deux autres forces, ce sont des forces de contact. Mais ils ont toutes le même point d'application, c'est le centre d'inertie de la balle. Et après avoir établi le bilan des forces exercées sur la balle au cours de son mouvement dans l'eau, on peut chercher à établir l'équation différentielle de ce mouvement, du mouvement de la balle, vérifiée par la vitesse du centre, de son centre d'inertie. Alors pour cela, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton sur le système qui est la balle, dont le repère OK supposé galiléen. Alors OK, c'est un vecteur qui est dirigé vers le bas, c'est un choix arbitraire. Alors pour appliquer cette deuxième loi, nous allons écrire que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois la masse de la balle multipliée par l'accélération du centre d'inertie de la balle. Donc le poids plus la force, la poussée d'Archimède plus la force de frottement fluide égale la masse fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps du centre d'inertie de la balle. P égale mg. Mais g, observez g, c'est un vecteur qui est toujours dirigé vers le bas, donc il est de même sens que k. Donc je peux écrire g égale g fois k, où g c'est une valeur positive. C'est l'accélération de pesanteur. P donc peut s'écrire sous la forme mg fois k. Alors que v il est égal à v fois k. Alors le vecteur vitesse il est de même direction que le vecteur k, ça veut dire il est dirigé suivant OZ. Et V, ce coefficient, il peut être soit positif, soit négatif, ça dépend du mouvement, du sens du mouvement. Alors si le mouvement se fait vers le bas, ça veut dire que V, elle est positive. Et inversement, si la vitesse est positive, ça veut dire que le mouvement se fait vers le bas. Si V est négatif, ça veut dire que c'est l'inverse. Ça veut dire que le mouvement se fait dans le sens opposé à K, ça veut dire vers le haut. Alors FA, elle est égale à la masse, alors FA, la poussée d'Archimède, par définition, c'est le poids du liquide déplacé. Ça veut dire que c'est la masse du liquide déplacé fois G. Seulement,
cette force, elle est opposée au vecteur K. Donc, je dois ajouter ici un signe moins. Et la masse du liquide déplacé, c'est le volume, c'est la masse, c'est la masse volumique de l'eau, la masse volumique de l'eau, multipliée par le volume de la balle. Parce que le liquide est déplacé, il a pour volume le volume de la balle. Et sa masse volumique, c'est rho. Donc sa masse, c'est rho E fois V. Alors en général, la masse du liquide est déplacé, c'est la masse volumique du fluide multipliée par le volume du liquide, du corps immergé dans ce fluide. Ensuite, G fois K, avec le signe moins. F, comme donnée de l'exercice, c'est moins H fois V. F, elle est toujours opposée à V. Ça veut dire que H, c'est un nombre positif. Donc, moins H, il est négatif. Ce terme, donc F, est opposé à V. La force de frottement, elle est toujours opposée au mouvement. Est égal moins HV fois K. D'où on obtient. Alors, je vais remplacer chaque force par son expression. MG fois K, moins ρEVGK, moins HV fois K, égale la masse fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps fois K. Alors, je vais projeter sur l'axe des Z, ça veut dire sur K, et j'obtiens. Et je vais m'arranger à ce que les termes contenant la vitesse soient dans le membre de gauche, les autres dans le membre de droite. Alors, vous avez ici MdV sur dt, et je vais en même temps diviser par M. Moins HV, donc il deviendra plus HV divisé par M. Et de l'autre côté, il reste G facteur de M sur M, donc c'est 1, moins, je mets G en facteur, moins REV sur M. Ainsi, j'obtiens ce qu'on appelle l'équation différentielle. Elle contient une dérivée de la vitesse. L'équation différentielle que vérifie la vitesse du centre d'inertie de la balle au cours de son mouvement dans le fluide. Ensuite, dans la question 3.1, on doit déterminer l'expression de la vitesse limite du mouvement du centre d'inertie de la balle. Parce que cette balle, elle entre à la surface de l'eau par la vitesse V0, c'est la vitesse initiale. Ensuite, elle se dirige vers le bas et la vitesse varie jusqu'à ce qu'elle atteigne une valeur constante. Alors là commence ce qu'on appelle le régime permanent, et la vitesse, cette vitesse constante s'appelle la vitesse limite. Alors ici, on peut procéder de deux manières, parce que nous avons l'équation différentielle et l'équation de la vitesse. Alors, nous pouvons utiliser soit l'une, soit l'autre, pour avoir la même expression de VL. Alors si on utilise la première méthode, ça veut dire l'équation différentielle. Alors l'équation différentielle déjà trouvée dans la question précédente, la dérivée de la vitesse par rapport au temps plus H sur MV égale cette expression. Alors, en régime permanent, ça veut dire lorsque la vitesse devient constante, en régime permanent, la vitesse est égale à la vitesse limite. Et puisque la vitesse est égale à la vitesse limite, ça veut dire que c'est une constante. Donc, sa dérivée par rapport au temps est égale à zéro. Elle ne varie pas. Je vais remplacer dv sur dt par zéro et v par vl, tout simplement dans l'équation différentielle. Alors, je tiens cette expression, ensuite je déduis VL égale G sur H, et ici je vais multiplier M par l'expression entre parenthèses, j'obtiens M moins ρE fois V. Et si j'utilise l'équation de la vitesse, j'ai l'expression de l'équation de la vitesse donnée dans l'énoncé, alors je peux dire que la vitesse limite atteinte, c'est la limite
la limite de V de t lorsque t tend vers plus l'infini. Alors, connaissant que la limite de l'exponentielle moins h sur mt, elle est nulle, parce que h sur m, c'est une constante positive. Alors, la limite de cette exponentielle, quand t tend vers plus l'infini égale 0, ça veut dire que la limite de v de t, quand t tend vers plus l'infini, c'est, alors ce terme il s'annule, il reste g sur h, facteur de m moins rho e fois v. Donc voici ce que j'obtiens. Alors ça c'est la limite de vt lorsque t tend vers plus l'infini, et c'est bien l'expression de vl. Alors je vais faire l'application numérique, vl égale, alors je vais remplacer chaque terme par sa valeur, 10 divisé par 0,25, facteur 2. Alors la masse ici, elle doit être convertie en kilogrammes, parce que on doit travailler dans le système international des unités, moins, alors ρe. ρe, c'est 1 gramme par millilitre, multiplié par le volume de la balle, 250 millilitres. Alors ici, je n'ai pas converti le millilitre en litre, parce que j'aurai ici une simplification du millilitre. Il reste 1 gramme fois 250, mais ce gramme, il doit être aussi converti en kilogramme. Ça veut dire que je dois multiplier par 10 puissance moins 3. Ainsi, alors faisons ce calcul, je vais trouver un résultat en mètres par seconde. Et j'obtiens VL égale moins 6 mètres par seconde. Observez que cette vitesse, elle est négative. Négative, ça veut dire que le mouvement au cours du régime permanent, le mouvement de la balle se fait dans le sens contraire de 2K. Ça veut dire que la balle se déplace vers le haut. Autrement dit, on peut conclure que ce mouvement, globalement, il a commencé vers le bas. Ensuite, la balle va se diriger à la fin vers le haut. Ça veut dire qu'il y a un moment où il va s'arrêter pour changer de sens du mouvement. Et c'est ce qu'on va chercher dans la question qui va suivre. Et dans la question 3.2, nous devons chercher la valeur de l'accélération initiale, ça veut dire l'accélération à t égale 0. Alors dans ce cas, on va utiliser l'équation différentielle du mouvement, et cette équation différentielle du mouvement, elle est valable pour quel que soit t supérieur ou égal à 0, en particulier à t égal à 0, la dérivée de la vitesse par rapport au temps 0, ça veut dire à t égal à 0, est égale à a0, c'est l'accélération initiale. Et en ce moment, la vitesse prend la valeur v0. Donc j'obtiens, je remplace dans l'expression de l'équation différentielle, a0 plus h sur m v0 égale, alors ce terme il est constant. Donc j'obtiens a0 égale cette expression g facteur moins h sur m v0. Et pour l'application numérique, a0 égale 10, 1 moins, alors ici 1 gramme par millilitre fois 250 millilitres sont, ce n'est pas la peine de convertir parce que je simplifie par millilitre. Et grammes, ici 100 grammes, sans conversion parce que je simplifie par gramme. Moins 0,25 dans le système international, V0,24 dans le système international, mètres par seconde. Donc ici, je dois écrire la masse en kilogrammes dans le système international. Et j'obtiens enfin A0 égale moins 52,5 mètres par seconde au carré. Dans la question 3.1, nous avons calculé la vitesse limite, nous avons trouvé que sa valeur est négative. Négative, ça veut dire que, qu'en régime permanent, le vecteur vitesse, il est opposé à k. Et puisque le vecteur vitesse, il a le même sens que le mouvement, ça veut dire que la balle, en régime permanent, elle se déplace vers le haut. Autrement dit, à t égale 0, la balle entre dans l'eau à la vitesse V0, et cette vitesse V0 diminue jusqu'à ce que sa valeur, jusqu'à ce qu'elle s'annule,
Et au moment où elle s'annule, le mobile, la balle, change de sens du mouvement. Ça veut dire qu'elle remonte dans le liquide. Alors, la question 3-3, dans cette question, nous devons chercher la durée séparant t égale à 0, ça veut dire l'instant d'entrée dans l'eau, et l'instant où la balle change de sens du mouvement. Et c'est pour cela que, parce que lorsqu'elle va changer, lorsqu'elle change, au moment où elle change le sens du mouvement, sa vitesse s'annule. Donc on va partir de cette condition. On va poser que la vitesse, elle est nulle, et nous avons l'expression de la vitesse en fonction du temps. Donc la vitesse, cette expression, est égale à 0. Alors il suffit maintenant de chercher la valeur de t. C'est une équation à une seule inconnue qui est t. Alors exponentielle moins h sur mt, je vais le mettre en facteur, et je vais multiplier en même temps par h. Alors j'obtiens exponentielle moins h sur mt, facteur de h v0, moins ce terme multiplié par h, et il reste la constante, ce terme fois 1 c'est une constante, et ne dépend pas du temps, je vais la mettre à droite. Ça veut dire moins g facteur de m moins e fois v. Ensuite, je vais chercher exponentielle moins h sur mt. C'est ce terme divisé par celui-là, mais je vais directement passer à exponentielle h sur mt. Ça veut dire l'inverse de cette exponentielle. Alors, je fais l'inverse de l'exponentielle moins h sur mt et l'inverse de l'expression obtenue ici. Alors, j'obtiens ce terme. Ensuite, je vais faire intervenir le logarithme népérien. Logarithme de cette exponentielle est égal au logarithme de cette expression. Donc, j'obtiens ici h sur m fois t, logarithme de exponentielle x et x, est égal au logarithme de ce terme. Et je vais simplifier un peu, h sur, donc je vais ici moins h sur v0 sur g facteur de m moins e fois v. Ici, j'aurai plus 1. Cette expression divisée par celle-ci, c'est plus 1. Donc j'obtiens t égale m sur h, logarithme de ce terme. On va faire l'application numérique, t égale, je remplace la masse en kilogrammes, 10 puissance moins 3, h dans le système international 0,25, logarithme de 1, 0,25 fois 24, c'est la vitesse initiale, divisé par 10 facteur de 100, 10 puissance moins 3 en kilogrammes, moins ρe, 1 gramme par millilitre fois 250 millilitres. Donc je vais simplifier par le millilitre, il va rester le gramme, mais ce gramme, il doit être converti en kilogramme. 10 puissance moins 3. Et j'obtiens, je fais le calcul, j'obtiens t égale 0,64 secondes. Ça veut dire qu'il a fallu 0,64 secondes à partir de l'entrée dans l'eau pour que la bille ou bien la balle change de sens du mouvement. Ensuite, pour tracer cette allure représentative de la courbe v de t, la vitesse en fonction du temps, j'ai d'abord quelques points à t égale 0, la vitesse est égale à v0. À t, c'est 24. À t égale 0,64 secondes, la vitesse s'annule. Donc la courbe va couper l'axe des temps en t égale 0,64 secondes. Et la limite de la vitesse lorsque t tend vers plus l'infini, c'est moins 6. C'est la vitesse limite. Ça veut dire que moins 6, c'est une asymptote horizontale pour cette courbe. Ensuite, j'ai ajouté ici une tangente à t égale 0, parce que l'accélération initiale, c'est quoi l'accélération? C'est la pente de la tangente à la courbe en cet instant. Alors, si je trace la tangente à la courbe, cette tangente coupe l'axe des temps en ce point. Alors, A0, c'est la pente de cette tangente. A0, donc, c'est si je prends ce point et ce point. Alors, A0, si je veux calculer la tangente de cette droite,
Je dois dire que c'est 0 moins V0, donc c'est moins V0, divisé par cet instant moins 0, ça veut dire ce delta t. Alors je peux déterminer cette durée delta t est égale à moins V0 sur A0, donc c'est 0,46 secondes. Ainsi, alors cette tangente me permet de tracer la courbe à partir de t égale 0.